Bonjour à tous, bienvenue dans ce 32e épisode de Transport Fever 2. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une fois j'ai réfléchi au titre de l'épisode avant de faire commencer l'épisode. Aujourd'hui, on va revoir un peu nos réseaux de distribution de marchandises, car comme l'un d'entre vous me l'a fait remarquer dans l'épisode de vendredi, comment dire, pour augmenter, alors vous voyez par exemple, voilà ici, la nourriture, donc on bombarde en théorie sur cette zone là tout ce qui est en surbrillance, donc c'est à dire que si vous regardez en fait, déjà, donc c'est tous les bâtiments bleus ça va jusqu'ici et tout ça on couvre pas, et même si on couvre, alors j'ai appris une chose, c'est que en cliquant sur, vous avez, sur chaque bâtiment, vous avez le taux d'approvisionnement du bâtiment. Alors je pense que ça doit être à un instant T. Parce que vous voyez, il y avait des trucs qui sont juste à côté du bâtiment. J'ai vu ça tout à l'heure. En survolant. Je crois que c'est pareil. Vous voyez, le truc qui est de l'autre côté de la rue, il est à 87%. Donc c'est-à-dire que tout n'est pas approvisionné en permanence. Et là, pour celui-ci, vous voyez, on couvre tout ce secteur-là. Alors normalement, c'est à peu près bon celui-là. Mais il faudrait peut-être plus en mettre un par ici pour essayer de développer la ville par ici. Donc, on va complètement repenser notre réseau ici. En plus, notre réseau de bus, si on regarde bien. Hop, gestion de la ligne. Vous voyez que notre réseau de bus, notre ville, elle a bien augmenté. Alors, notre réseau de bus, il part ici. Mais surtout, bah, il y a tout ce secteur-là de la ville qui n'est pas desservi. Enfin, techniquement il n'est pas desservi ici parce que lui il prend quasiment tout. Mais en fait je vais dépasser cet arrêt plus par ici pour permettre un développement un peu plus important de la ville par là. Et rajouter un arrêt dans ce secteur là. Ce que l'on va faire dès à présent. Et après on s'occupera du réseau marchandises. Je fais ça d'abord parce que c'est ce qui est le plus facile à faire. Alors. Du coup, forcément, on va faire ça en mode pause. Alors là, il y a 1 million de gens qui attendent, ils vont pas être contents, ils vont devoir se barrer. Voilà. Ils vont pas devoir se barrer, ils disparaissent pour moi simplement. Parce que c'est pareil chez nous, quand vous détruisez un arrêt de bus dans une ville, et bah, les gens ils disparaissent. Les gens qui attendent à l'arrêt de bus, ils... Pouf, magie, ils ont disparu. Alors... D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de penser, ils ont disparu, mais ils n'ont pas disparu, puisque il y a 2 arrêts de bus. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, là, ils ont disparu. Alors, tac, tac. Et arrêt suivant. On va plus se coller du genre ici. Alors du coup il faut revoir nos lignes de bus qui sont ces deux là, gestion de la ligne. Alors c'est la marron. Elle fait 1, 2, et il a pris celui-là, rue du commerce là. Hop, ajouter un arrêt. Voilà, il le prend, il le colle avant le 4. 4. 5, 6. Ok, c'est pas trop mal ça, ça me va. Et du coup, autre ligne. Alors, là c'est après le 4 qu'il faut le mettre. Ajouter un arrêt. Ici, et c'est pareil, il va aller comme ceci. Alors notre centre-ville, logiquement, est quand même toujours desservi. Par à droite, à gauche, petit à petit, on... Quoique... Si petit à petit on réussit à combler, on comble quasiment tout le centre-ville. Au pire, bon, mais on peut me coller un arrêt ici. Hein. Ça changera pas grand chose. On va laisser comme ça pour le moment. Et donc, pour nos marchandises, alors ici on dessert la nourriture. La nourriture, c'est les bâtiments bleus. Donc on dessert de la nourriture ici. Donc plus vous êtes foncé, je pense, plus le bâtiment il reçoit de la quantité de nourriture. Alors cette ligne-là, on va la laisser.
Par contre, je mettrais bien un autre array ici. Je mettrais bien un autre array ici. Et ce qu'on va faire, alors, on va faire beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses. Je pense que ça va être mieux de faire comme ça. Parce que. Alors, on va laisser avancer le jeu 2 secondes pour que les camions ici se barrent. Si tant est, s'ils arrivent à se barrer avant qu'il y en ait un autre qui arrive, ce qui serait bien. Ce qui me semble mal barré. Parce qu'ils n'ont pas l'air d'être des flèches. Mais il y en a toujours un qui arrive. Le problème étant que. Non, je vais pas pouvoir supprimer. Ah, vous voyez, tous les gens ils traversent pour retourner à l'arrêt ici. Ouais, alors. Confirme la destruction, oui. Voilà, tous les camions ils retournent sur le bord de la route. Ah, on confirme la destruction. Et ce qu'on va faire, c'est construire deux. Pas deux bâtiments. Enfin, si, deux bâtiments. Hop. Ah, sûrement, t'es toujours relié, oui. Alors, un ici. Un ici qui ne recevra exclusivement que la nourriture. Hop, hop, hop. D'ailleurs, même pas besoin de plateforme à gauche. Voilà, ça. On va mettre à droite plutôt. On peut faire un truc sans plateforme. C'est original ça. On va mettre plutôt à gauche la plateforme. Voilà. On va mettre ici. Pour le fun. Voilà. Et on va en mettre une autre dans le même genre. Ici. Alors, c'est pas l'idée du siècle, je suis en train de me dire, parce que si tant est qu'on doit prolonger la gare, enfin, il n'y a plus de chance. Pour moi, on va laisser ça là comme ça. Voilà. Et alors, les lignes, on va remanier. Licence Nanopolis, gestion de la ligne. Ça, on supprime. Ajouter une gare ici. Voilà. Là, comme ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, donc ici, on aura la nourriture, ce qui va résoudre mon problème de les quais, les nourritures aspect sur un quai, après sur l'autre, ça me faisait chier. Donc la nourriture va ici, et on a dit qu'on voulait qu'il y en ait qui aillent aussi, plus par là-bas. On va mettre ça là. On va créer. Alors, on va renommer certaines lignes. Alors, nourriture, Slanopolis, gestion de la ligne. Renommée. Essence, Slanopolis, renommée. 1. Bah, c'est sûr que si on fait échappe au lieu de faire entrée, ça ne va pas le faire. Et on va mettre des nouvelles lignes. Alors, nouvelles lignes. Nourriture, donc ici, à ici, voilà. Sur cette ligne-là, alors gestion de la ligne, on a combien? 2, 4, alors on va passer à 3. Alors gestion de véhicule. Alors, basculer sur ligne 1. Voilà. Ligne 1, elle est où? J'aime bien ça. Quand je ne trouve pas, voilà. Dupliquer véhicule. Voilà. On met 3 et 3. Logiquement, ils doivent se servir de chacune des lignes. Voilà.
Et là, ensuite, pour l'essence. L'essence, on livre ici. Et on a des bâtiments industriels ici. Donc, si on livre là, donc on bombarde bien ça. On bombarde ça, mais on bombarde pas sur ça. Donc, on va mettre un arrêt ici. Ouais, ici, là, ce sera pas mal. Comme ça va attirer plus à se développer un peu par là. Alors, nouvelle ligne, non, nouvelle ligne, on fait une nouvelle ligne. Faut mettre un arrêt. Alors, je le colle carrément ici, l'arrêt, comme ça il fait demi-tour au bout de la rue. Et on couvre ouais, pas mal de choses. Alors, je sais, c'est pas très logique, mais c'est dans l'optique où par ici ça va se développer après. C'est vrai que comme ça, à premier abord, c'est pas très pertinent de mettre un arrêt ici. Comme ça, en même temps, ça gêne personne. Alors, par contre, ici, il y a combien de véhicules? 3. On va mettre sur des véhicules, on va en retirer un. On va mettre sur la ligne 2, je suppose que ça va être comme ça qu'elle s'appelle, parce qu'elles n'ont pas été renommées. C'est ça la ligne 2? Ou ça c'est la ligne 3? Plutôt la ligne 3, même. Attends. Ouais, on va faire comme ça plutôt. Ligne 1, ligne 2. Elle n'existe pas, il faudra supprimer une ligne 3. Voilà. Ensuite, ligne 3. Dupliquer le véhicule. Voilà. Ensuite, nos lignes. Ligne 2. Bien sûr, la ligne. Supprimer. Et il y a une autre ligne qu'on va supprimer. Ah d'ailleurs oui, c'est ça. Gestion des véhicules. Vendre. Oui. Et gestion de la ligne. Gestion de la ligne. Supprimer. Voilà. Alors, on va lancer le jeu, on va voir comment les gens ils se débrouillent. Les véhicules, du moins. Logiquement, là, l'essence, elle va partir ici. Voilà. Non, non. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Déjà, on va renommer ça. Parce que là, il n'est pas censé y avoir d'essence. Donc, les véhicules, ils vont jamais venir chercher l'essence. On est d'accord. Aucune raison qu'ils viennent chercher l'essence ici, les gars. Et du coup, il va y coller de la nourriture ici. Ah non. Et ces camions-là, ils peuvent prendre de l'essence. De la nourriture, mais alors toi là-haut t'as pris quoi? Toi t'es en train de prendre de l'essence. Ok, alors en fait ce qu'il faut que je fasse. Gestion des véhicules. On va mettre sur pause. Alors c'est nourriture, c'est la police 1. On va renommer les lignes déjà parce que ça m'énerve. Alors. C'est essence avec un N, c'est mieux. Cela, police 2. Renommé. C'est nourriture. Cela, nous. Police 2.
Ah oui, si on met trop de lettres, ça le fait plus. Voilà. Et donc c'est sur les camions de nourriture. Les véhicules, donc gestion des véhicules. Gestion des véhicules de ça et de ça. Tout sélectionner. Remplacer. Alors ça, tu peux pas prendre. Ça, je peux prendre tout. Donc que de l'essence. En fait, il n'y a pas un véhicule qui permet de prendre que la nourriture. Je suis obligé de prendre tout et du coup, il peut prendre l'essence. Ah ouais, mais si, je sais. Il y a un petit truc à ça là. Non, c'est pas ça. Alors ça, c'est élevé. Mais c'était pas ça, c'est comment est-ce qu'on fait? Voilà, c'est la gestion de la ligne. Centrale de slam de police. On ne prend pas d'essence. Voilà. Ici. Ah merde. Je me suis trompé. Toi, c'est pas la nourriture, c'est essence. Ça, voilà, parce que ça, sinon ça va faire des bugs de d'enregistrement. Enfin, de, je vais pas avoir à prendre de nom. Là, on va renommer nourriture. Nourriture. Voilà. Et là, on va renommer essence. Voilà. Donc, ici, on ne prend pas d'essence. Voilà. Ici, on ne prend pas d'essence. Ici, on ne prend pas de nourriture. Et ici, ici. Bah oui, c'est que des citernes de toute façon. Ah non, c'était pas ça du coup, c'était ça. Mais cette ligne-là, j'ai mis quoi sur cette ligne-là? Purée, je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà, gestion des... Non, gestion des véhicules. Alors, remplacer. Tu vas me prendre des véhicules citernes, s'il te plaît. Voilà. Comme ça va résoudre le souci. Ici, tu peux prendre qu'une essence. Donc, on va relancer le jeu. Voilà. Le souci étant que, du coup, il faut virer l'essence qu'il y a ici. Pour ça, on va attendre qu'il n'y ait plus de nourriture. Donc là, toutes les sciences devraient aller là-bas. S'il n'y a pas là-bas, je t'avais un scandale. Allez, viens prendre la nourriture, toi. D'accord. Alors ici, déjà, on va reconfigurer ça. Cargo, on va grandir un peu. On va grandir même bien. Voilà. Ici, tu viens prendre le reste de nourriture. Non. Et c'est bon. Hop. Pause. Pause, pause, pause. Posons, posons. Alors, hop, on remet bien. Voilà. Et donc là, il devrait me faire un truc propre et plus me coller d'essence ici. Alors pareil, on va agrandir ça. Voilà. Va avoir mis juste un épisode pour faire cette petite merde là. Mais au moins, c'est plus propre. Alors, d'ailleurs, je vois un truc qui ne me plaît pas. Ça. Je veux savoir pourquoi.
ces lignes-là ne sont pas en grande vitesse. Parce que je ne l'ai pas fait. C'est pas bien. Tac, tac. Oui, s'il veut pas. Voilà. Tac, tac. Tac, tac. Tac. Ensuite, toc, toc, toc. Toc. Voilà. On va y arriver. Voilà. T'as mis ici aussi, j'ai fait des bêtises. Ah non, j'avais mis tout mon réseau en électrique, j'ai pas mis en grande vitesse. Pas tout mis en grande vitesse, bah faut le faire maintenant. J'ai mis des trains rapides, donc bon, je crois qu'ils vont pas encore à 120, mais autant le faire, ce sera fait. Voilà. C'est pas comme si c'était un réseau important, ça, dans le jeu, dans la partie. Du tout, du tout. Ah, qu'est-ce qui... Ah, c'est toi qui ne l'es pas. Ok. Alors, la gestion du véhicule. Retourner. Et ce qui lui plaît pas, c'est ça. Alors, plateforme, cargo. Alors, pourquoi on peut pas l'ajouter ici? Parce que notre quai part, notre route à part, notre voie part pas droit. Ça doit être ça. On a du pétrole ici, c'est plus un souci ça. Logiquement, il charge et repart direct. Non, pas tout à fait. On pourrait encore légèrement monter la production là-bas. Est-ce qu'on peut augmenter notre production? Non, je crois qu'on est déjà à fond. Faut faire, faut rajouter une cible. Une citerne, enfin une raffinerie en plus sur le pouls. Et là on pourra dépoter. C'est ça, c'était ça le truc. Alors ça c'est la nourriture. Ok. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce qu'on va faire demain, c'est qu'on va regarder notre débit d'approvisionnement ici et voir en fonction des camions qu'il nous faut. Genre, à mon avis, s'il va peut-être falloir quelques camions de plus sur l'essence. La nourriture, ça semble bon, à mon avis. Quoique l'essence, ça semble bon aussi. On va regarder vite fait. Je ne cherche plus à regarder combien de temps. Alors, 145, 146. Ok. Pour l'essence. Et là, pour l'essence, 255. Par contre, je perds de l'argent sur cette ligne-là. Ça me plaît pas, c'est bien que j'ai pas assez de débit en fait, clairement j'ai carrément pas assez de débit sur cette ligne là. Donc il va falloir que j'augmente ma production. Nourriture, j'amène 350 et je distribue quasiment 300. Donc camion, il faudra peut-être augmenter, peut-être en mettre un de plus ici. Voilà. Qui va augmenter légèrement ma... Voilà, ça, ouais, ça, on est quasiment à du 320.
Pour les 350, vu que c'est pas 100% équilibré, ça devrait suffire. C'est pas mal comme ça. Les lignes de bus, on verra ça aussi au prochain épisode. Écoutez, donc du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voyons, passe un peu plus de temps sur les petits détails, on n'a joué qu'une année. Mais bon, là, c'est plus du peaufinage de réseau. Là, maintenant, notre ville, elle reçoit 90% de tout ce qu'elle demande. C'est déjà plus que bien. Il y a 652. L'objectif, c'était de faire mieux que Damart. Ah, bah voilà, on a dépassé Damart, hein. 652, et ici, on est à 623. Voilà, Slanopolis est officiellement la ville la plus grande de la partie. Ça, c'est good. Bon, bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Merci, j'ai plus le pseudo en tête, mais merci à celui qui m'a filé le conseil pour comment trouver les infos là et de faire plusieurs sommes de distribution. Ce qui m'a permis enfin de régler mon souci aussi ici que je voulais faire depuis un petit moment mais que j'avais la flemme. Demain, du coup, bah, on se débrouille pas trop mal sur la distribution. Ce qui m'embête, c'est de perdre de l'argent sur cette ligne-là. Et je perds pas qu'un petit peu en plus. Donc, je sais pas, on va voir ce qu'on va faire. Ce qu'on pourrait faire sinon. Marignane, comment ça se passe? 60% de nourriture, c'est pas mal. Cognac. On ne distribue aucune. Aucun bien ici. Sachant que là, on a masse d'acier. Là-bas, on a masse de plastique. Donc, on pourrait peut-être essayer d'augmenter ça pour distribuer des biens de consommation ici. Ça reste à voir. On a des pièces détachées à livrer ici. Des outils là. Et de la nourriture ici. Bon, on a encore de quoi faire. Je dis, moi, c'est surtout cette zone-là que je veux développer. On va voir ce que l'on fera dessus au prochain épisode. Sur ce, bah, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à demain pour la suite. Et bah, abonnez-vous si c'est pas le cas. Likez, tout ça, tout ça. Vous connaissez maintenant. Allez, salut tout le monde.